Bonjour à tous, c'est Loïc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit cours de cuisses, abdos, fessiers et du stretching. Donc enfin, on va venir faire 30 minutes de cuisses, abdos, fessiers, 10 minutes de stretching. Ok ? On est parti avec l'échauffement, première partie. On vient se mettre derrière le tapis et on va commencer avec des tapes droite, gauche, droite, gauche. Voilà, on y va tranquille avec un grand sourire. J'espère que vous êtes en forme pour ce premier cours du vendredi de l'année 2021. Ok ? En tout cas, moi je pète la forme. En plus, on doit, on profite. Allez, on double l'étape s'il vous plaît. Allez, droite et gauche. Allez, on pense à bien gainer tout le corps. Et cette fois-ci, on en fait 4. Et on baisse un petit peu le bassin. Ici, 4, 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et des simples alternés. On baisse encore un petit peu plus le bassin. Et on est gainé. On engage le transverse, on rentre le nombril en direction de la colonne. On remonte un petit peu, d'étape devant. Droite, tap. Droite, je monte de côté. Voilà, on pose bien la pointe des pieds au sol. Et on peut même basculer un petit peu le buste vers l'avant. On réchauffe bien le corps, il fait froid. Talons fait s'il vous plaît. Bam, bam. Allez, là, on augmente un petit peu l'intensité. On fait chauffer un petit peu plus le corps. Droite, gauche. Super. On est au top, les amis, on est au top. Double. Allez, on pense à bien respirer. Les abdominaux contractés, on rentre bien le ventre en direction de la colonne. Yes. Et 4, 3, les genoux alternés s'il vous plaît. Droite, gauche. Voilà, pour l'instant, on reste bien gainé. Il y a une jambe qui monte, l'autre pied reste bien planté au sol et bien gainé. Bam, 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 bam. Et 4, 3, 2, double. Super. 4, 3, 2, on en fait 4. On change. Voilà, pour venir orienter un petit peu sur le côté. Encore. Et on monte bien le genou en direction de la poitrine. 4, 3, 2, alternez. Sauf que cette fois-ci, on ajoute les mains. On fait monter un petit peu le cardio. Pour les personnes qui peuvent sauter, on peut ajouter un petit rebond, ok ? Un petit saut tout simplement. Et 4, 3, on augmente, on double. Pam, 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 pam. Allez, on contracte les abdominaux, on profite, on chauffe les articulations, les muscles, et on monte en intensité pour bloquer. Voilà, donc là, squat, pieds joints. Donc les pieds sont serrés, on fait attention que les genoux ne dépassent pas trop la pointe des pieds et on est en demi-squat. Je vous montre le côté, ici, des petits en bas. Voilà, on ne descend pas trop bas, juste histoire de mettre en route les muscles, les articulations pour commencer au top la séance. Ok ? Et 4, 3, 2, on monte single. On descend à peine plus bas. 3. On y va. 4, 3, 2, et on descend un peu plus bas. 1, 2, allez, on augmente l'amplitude. Et du coup, on augmente l'intensité aussi. Ça fait monter un petit peu le cardio. On fait chauffer les muscles en même temps. On échauffe les articulations. Et on bloque en bas. Des petits en bas, des petits en bas. Voilà, ça, ça va surtout servir à réchauffer les muscles. Surtout en ce moment, il fait froid. On a de la neige, on tient, on tient, on tient, on remonte et d'étape. Voilà, pour relâcher encore un petit peu les muscles. On va faire encore une dernière phase d'échauffement. Cette fois-ci, on va vraiment monter le cardio et après, on pourra venir boire un petit coup avec moi en cours. Voilà, maintenant que les muscles, on a bien fait chauffer, on va monter un petit peu le cardio. Et vous allez voir, comme ça, on pourra commencer la séance sur les chapeaux de roue. Ok ? On monte encore un petit peu plus les genoux. Hop, hop. Super. Allez. Si comme moi, vous êtes en plein air, on profite
la nature. Attention, lâchez les genoux maintenant, talons fesses. Nickel. Allez, encore tout le monde. On reste gainé, on rentre le ventre et vous pouvez vous aider les mains, les bras. Ok? Et avec moi on court simplement. Et on va venir sauter sur les côtés. Hep, 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 hep. Voilà, comme en boxe. Allez, on y va, on y va, on y va. Encore. On peut monter le cardio. Les articulations au niveau des chevilles aussi, très important. Et on saute devant, derrière. Devant, derrière. Et on fait une petite flexion. Ok? Petite flexion. On baisse encore un peu plus les hanches. Chauffez les muscles. Les articulations. Hey! Hey! On est sur la pointe des pieds. Et comme ça, on chauffe les mollets en même temps. Et bloc. Des petits en demi-squat. Ok? Largeur, épaule pour les talons et les jambes. Ok? On remonte. Et à nouveau, on court. Allez, allez, allez. On y va, 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 on y va. On fait chauffer les articulations. Encore, encore. Et on monte un peu plus haut les genoux, un peu plus haut. Pour ceux qui ne peuvent pas avec les impacts, ça fait trop mal, restez ici. Ok? Let's go. On y va, 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 on y va. Et 4, 3, 2, on relâche, on bloque. Cette fois-ci, on squatte un peu plus large. On y va, on tient, 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 on tient. Avec moi. 4, 3, 2, et on relâche le haut du corps. On prend une grande inspiration, on remonte. On lève les bras. Et on expire. Bravo. Parti. Échauffement terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va boire un petit coup, on s'hydrate, et ensuite, du coup, on va attaquer la deuxième partie, enfin, la deuxième partie, finalement la première partie, mais du corps de séance, ok? On se retrouve tout de suite, allez, let's go! Partie numéro 1 du corps de séance, cette fois-ci, on va venir vraiment renforcer les cuisses, donc on va venir faire des exercices tels que les squats serrés, les squats basiques, les squats sumo ou squats larges, et on va faire des fentes. Ok? C'est bon pour vous? C'est parti. On se met debout. On prend une grande inspiration. Et on expire. On fléchit le bassin vers l'arrière. Comme s'il y avait une chaise et vous voulez s'asseoir. Je montre à côté. On a les pieds joints. Le bassin vers l'arrière. On essaie de bien ouvrir la cage thoracique. Et on commence à chauffer les muscles avec des petits en bas. Des petits en bas. Allez. Là, on va venir vraiment renforcer les muscles. La partie renforcement ici. Super. Et aujourd'hui, on va juste faire du bon renforcement. On monte, single. 1, 2. On augmente l'amplitude, on essaie de descendre bien bas. 3, 4. Attention, pour les personnes qui ont mal aux genoux, évitez que les genoux dépassent trop la pointe des pieds. Encore. 8, 7, 6. Allez, pour les mains, pour les mettre comme moi, donc en croisé ou en prière, ou alors au niveau des épaules pour pas qu'elles bougent. Et on bloque en bas, bloque. Et à nouveau des petits. Voilà. Donc pourquoi squat serré? Pour renforcer au maximum les quadriceps, donc à l'avant de la cuisse. Ok? On tient. Et à nouveau single. 1, 2, on en fait 16. 3, 4. Voilà. On va bien renforcer. On va éliminer les calories des chocolats en trop. 8, 7, 6. Allez, avec un grand sourire. Bam, 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 bam. 3, 2, des petits en bas. On y va, on y va, on y va. On lâche surtout pas. Je sais que ça cuit, les cuisses chauffent. Mais on lâche pas, on lâche pas. On lâche pas. Et on bloque. Allez, on tient, on tient, on tient. Là, c'est du gainage. Je vous montre de côté le mouvement. Enfin, le mouvement. La position. Parce que techniquement, on n'a pas de mouvement. Vous êtes censé bloquer.
On remonte, des tapes sur les côtés. Droite, gauche. Ça va les cuisses? Voilà, aujourd'hui, vous avez promis, on va pas faire du cardio, on va surtout faire du renforcement pur et dur, ok? Sachant qu'on a que 30 minutes. Attention, on fléchit un petit peu la jambe d'appui. Hop, et on continue avec les tapes sur les côtés. Attention de bien rentrer le ventre, le nombril en direction de la colonne, pour être bien gainé au niveau de la ceinture abdominale. Bam, 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 bam. Allez, on tape bien avec la pointe des pieds, loin sur les côtés, et on peut venir redescendre même encore un peu plus les cuisses. Attention, bloc, et écarte ton squat normal, c'est-à-dire les talons largeur épaule, ok? Les pieds largeur épaule. On peut mettre les points de pied légèrement sur l'extérieur si vous êtes plus à l'aise et des petits en bas. Allez, on y va, on y va, on y va. Et ici, on renforce bien les cuisses, la totalité des cuisses. On a aussi les fessiers qui rentrent en jeu, ok? Attention, on remonte et 16 en single. 1, 2, on descend bien jusqu'en bas. 3, je le répète pour ceux qui ont mal au genou. Vous pouvez diminuer l'amplitude si vous ne sentez pas trop et surtout éviter que le genou dépasse la pointe des pieds. Encore 8, 7, allez avec un grand sourire. Allez, après vous allez voir, vous avez des belles cuisses bien dessinées. Bam, 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 bam. 3 petits, 2, 3, on monte, on serre les fesses. 2, 3, on est gainé, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Sentir que vous ne pouvez pas décoller les pieds. Encore 3 petits. Allez, on y va. Plus que 3. Allez, 2. Dernière. 1, 2, 3. Et on bloque. Allez, on reprend avec le gainage. On tient. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, des tapes, tap, tap. Ok, là vous avez senti que ça chauffait, même au niveau de la plante, des pieds, tellement vous étiez bien ancré, bien gainé, ok? Allez, on fait chauffer encore, tap, tap. Allez, on en profite, on en profite. Flexion, étape. Voilà, on est ici pour travailler les cuisses. Hein. On y va, on y va, on y va, on y va. 4, 3, 2, et stabilise, on bloque. Cette fois-ci, on écarte encore un peu plus. Donc, on va se mettre en position de squat sumo. Les pieds à peine plus que largeur d'épaule et les pointes de pied à 45 degrés environ. Voilà, je ne vais pas me ramener avec un rapporteur, ne vous inquiétez pas. Et hop, on fléchit le bassin. Le bassin est ouvert, les abdos sont rentrés, les omoplates sont, enfin, les omoplates vers l'arrière, les rhomboïdes sont contractés. Ok? Et sur le côté, comme ceci. Ok? On tient, on tient, on tient, on tient. Et des petits en bas. Voilà, super. Là, avec le squat large, on va plus renforcer les fessiers, donc notamment les adducteurs, donc sur les côtés des hanches et des cuisses. Allez, on y va, 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 on y va. Encore, encore. On est gainé. Attention, on remonte en soufflant. Et single, 16. 1, 2, encore. 3, 4, on lâche pas, 5, 6, 7, 8, allez encore, 8, inspire, souffle, 6, bam, 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 bam. Allez, 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 4, 3, 2, et bloc en bas. Allez, 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 allez. On a des bons appuis au sol, les genoux bien dirigés vers l'extérieur. On remonte doucement et en 2-2.
Voilà, super. On prend son temps. On est gainé, tout le monde. Hey, hey. Et 4, 3, 2, single. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, après, on augmente un petit peu plus l'intensité avec des squats sautés. 1, 2, 3, écarte, resserre. Inspire, souffle. Oula, j'ai glissé. On y va. Et bloque des petits en bas, des petits en bas. Les genoux bien sur l'extérieur. 4, 3, 2, on remonte des tables. Ça va tout le monde? On marche. Là, les cuisses, elles ont bien travaillé. Hein, c'est pas fini. On finit la partie numéro 1 avec des fentes. Ok? Avec moi, des tables vers l'arrière, droite, gauche. Bam, bam, bam. On en profite pour souffler. Reprendre un petit peu d'énergie, surtout au niveau des cuisses. Et avec moi, single en squat vers l'arrière. 1, 2, 3, super. Encore. Inspire et souffle. Contracte bien les abdominaux, on est gainé. Et hey, 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 on fait chauffer. Boum, boum. Et 4, 3, 2, 2, 2, s'il vous plaît, on ralentit. 4, inspire, descend, souffle, monte. Boum, boum. Encore. 4, 3, 2, 3 petits. 1, 2, 3, on remonte. Allez, super. On prend un grand pas vers l'arrière. Les abdominaux sont contractés. On pense à bien respirer. Et single. 2, 3. 4, allez, plus de 4, 4, 3, 2, et on bloque jambe droite, et 4, 3, 2, on change, gauche, et 4, 3, 2, on relâche, super, là c'était la partie finale pour la partie numéro 1, on boit un petit coup. On relâche un petit peu les muscles des cuisses et ensuite on va venir s'allonger au sol pour la partie numéro 2. Là on va venir se concentrer un peu plus sur les fessiers. Ok. Donc pour la partie numéro 2, vu qu'on a très peu de temps, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va prendre un pack d'eau si vous avez, ou alors des bouteilles, ou alors un petit poids qu'on va venir déposer sur la hanche, ok? Donc je vous laisse boire un petit coup, en attendant vous prenez un petit poids et après je vous explique la suite. Allez, c'est parti. Parfait les amis, partie numéro 2, le poids en sa possession. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire travailler les fessiers et les abdos en même temps. Donc bien sûr, ce n'est pas de disque ou de poids comme moi. Vous pouvez prendre un objet qui pèse environ 5 kg ou 6 kg. Et comme par exemple un pack d'eau ou je sais pas trop quoi d'ailleurs. Bref, si jamais avec le poids c'est trop dur, vous pouvez faire sans. Ok, on est parti. On va venir s'allonger sur le dos, sur le tapis. Hop, le poids en direction de la hanche, posé sur la hanche. On pose les pieds à plat sur le tapis, les mains au sol et on va remonter la hanche en single. 1. 2, bien sûr, vous pouvez poser les mains sur le poids. Allez, encore. On souffle sur la montée, on inspire sur la descente. Encore. 8, 7, 6, on y va. 7, 6, 5, allez, courage. 4, 3, 2, 3 petits en haut. 1, 2, 3, allez. Super, on continue. 3, allez, on souffle, on monte. Et encore 4, 2, 3, 3,
1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, Bernard. Et 16 singles. 1, 2, 3, 4. Allez, on pense à bien souffler sur la montée. Inspirer sur la descente. On rentre le ventre en direction de la colonne. 7. 6. On contracte les abdos. Et 4. 3. 2. Attention, on va bloquer en haut. Bloc. Ok, c'est bon pour tout le monde. On est bloqué. Le poids toujours sur la hanche. On va venir faire des petits mouvements avec le bassin au-dessus. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà, on fait des petits mouvements, bien sûr contrôlés. Ok. Donc comme ça, on va venir, sur ces exercices, on va venir renforcer les ischio-jambiers, les lombaires, mais surtout le grand fessier. Ok. Donc on a déjà fait bosser un petit peu moyen et petit fessier avec les squats larges, si vous vous rappelez, avec les squats sumo. Donc là, vous allez avoir des jambes bien galbées, ok? On continue. 1, 2, 3, 4. On y va. Allez, on pense à bien respirer. Attention, quand on respire, on garde les abdominaux contractés, on reste gainé. Et on bloque en haut, s'il vous plaît. Super, super, super. Allez, allez. Là, vous devez sentir les fessiers chauffer. On se concentre sur la contraction et sur l'inspiration. On descend doucement le bassin. On va venir attraper le poids et on va mettre les épaules plaquées au sol et les mains au-dessus de la tête. Ok? Donc le poids est dirigé vers le ciel. C'est bon pour vous? Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va directement enchaîner avec des abdominaux, des crunchs. Donc on va remonter le buste en single. C'est parti. Souffle, inspire, monte, descend. Encore. 1, 2, 3. Plus que 8 s'il vous plaît. 8, 7. On contracte bien les abdominaux. Le regard au ciel, on fait attention de ne pas tordre le cou. Et 4, 3, 2, on bloque en haut. Bloc. Allez, 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 allez. Attention, le poids n'est pas vers l'avant, mais bien en haut. Comme ça, on n'a aucune aide de la gravité. On inspire, on descend. Et à nouveau, single. 16, 7, 15, 14, 13. On y va. 6, on y va. 7, 5 plutôt. 3, 2, et bloc en haut. Bloc. Allez, on tient. Et on descend doucement, vertèbre par vertèbre. À nouveau, on pose le poids au niveau de la hanche et on rattaque avec les fessiers. Single. 1, 2, on y va. 3, 4. Allez, crunch. 5, 6, 7, 8, encore 8, jusqu'à 16. Bam, bam, bam. Allez, on se concentre. Souffle, inspire, monte, descend. On y va. Bloc en haut, bloc. On augmente un petit peu la difficulté. On relève une jambe, une seule jambe. Ok? On inspire, on descend doucement. 4, 3, 2, single. On en fait 8. 8, 7, 6. Attention, vous relevez une jambe, mais faites attention à la rotation du bassin. Le bassin reste stable et parallèle au sol. Ok? Et bloc en haut. On pose la jambe qui était relevée et on relève l'autre jambe. Super, au top. On inspire, on descend et on monte en single. 8, 7, 6, 5, encore, 4, 3, 2,
et bloc en haut, bloc. Et on repose la jambe. Et des petits en haut s'il vous plaît. Des petits mouvements de bassin. Allez. Petit mouvement de va-et-vient. Et on bloque à nouveau. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, vous pouvez le faire les amis, vous pouvez le faire. On relâche rien. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. 4, 3, 2. Et super. On descend. Nickel ça. On attaque avec les crunchs. Le poids au-dessus de la tête, au-dessus des épaules. Et on attaque avec les singles, s'il vous plaît. 1, 2, allez, 3, 4, encore. 4, 3, 2, encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bloc en haut, bloc. Allez, on contracte les abdominaux. Attention de ne pas trop lever les épaules. On resserre bien les omoplates. Et on utilise bien les abdominaux pour relever le buste. On descend et à nouveau des crunch. 7, 15, 14, 13, on y va. 12, 11, 10, 9, encore. 8, 7, jusqu'au bout. 6, 5, allez, 4, 3, 2, 1, on bloque en haut, dernière, attention, faites attention au cou, si vous avez trop mal au cervical, posez le poids et aidez-vous tout doucement avec les mains, ok, et 4, 3, 2, on pose le poids au niveau de la hanche, et on va venir faire le dernier round pour les fessiers, ok. Donc, on relève le bassin en bloc. Cette fois-ci, on va avoir grand fessier, mais on va aussi isoler un peu plus les ischios jambiers. Donc pour ça, on va reculer un petit peu les talons des genoux. Ok ? Donc je vous montre. Ici, on était comme ça, donc les talons étaient en dessous des genoux. Maintenant, on va venir éloigner un petit peu. Les talons sont un peu plus éloignés que les genoux. Ok ? Le poids toujours posé au niveau de la hanche. Hop ! On allonge le dos. Et les épaules sont complètement posées au sol. Vous pouvez tenir le poids bien sûr. Et on y va en single. 2, 3, 4. Allez, courage. 5, 6, 7. Encore 8. 8, 7, 6, 5. Rentrez bien le ventre. Voilà, pour éviter de trop cambrer et vous faire mal en bas du dos. 3 petits en haut. 1, 2, 3, inspire, descend. Sur la montée, on souffle et on inspire sur la descente. C'est compris? Toujours les abdominaux contractés, je répète, mais c'est très important. Et on pense à bien respirer, encore. 2, 3, encore 3. 1, 2, 3, plus 2. 2, 3, last one. 1, 2, 3 et bloc en haut. Bloc. Ouh. Allez, là, vous devez sentir à la fois les ischios qui brûlent et les fessiers. Ok? Voilà, comme ça, on réchauffe un petit peu la planète. On y va, on y va, on y va, on y va. On est concentré, on est concentré. Toujours, on bloque. Là, c'est du gainage. C'est là que vous devez sentir les muscles chauffer. Et on tonifie encore plus en faisant des petits mouvements en haut, des petits mouvements en haut. On tonifie, on tonifie. Allez, comme ça on va avoir des jambes bien galbées, bien dessinées. On continue, on lâche pas. On inspire, on descend et en single. 1, complet. 2, on y va. 3, 4, on lâche pas. 5, 6, super. 7, encore 8, les 8 dernières. 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2, 1, et bloc en haut. Voilà, là c'est le dernier, là c'est le dernier. On reste en gainage, on bloque.
dernier sur cet exercice. 4, 3, 2, et on relâche. À nouveau, on remonte un petit peu les talons. Et on va venir faire un dernier round pour le crunch. Et ensuite, on va changer d'exercice, que ce soit pour les fessiers et les abdos. Single, c'est parti. 1, 2, 3, 4, on y va. 5, 6, 7, 8, encore 8, 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, 3 petits en haut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, allez, 1, 2, 3, et 4, 3, 2, encore, encore, plus 4, plus 3, plus 2, 1, 2, 3, plus qu'un, 1, 2, 3, single, 3, 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, et 8, on relâche, super, on vient se relever, on se place sur les fessiers, et cette fois-ci, on va venir se placer sur les genoux, donc on n'aura plus besoin du poids, on va juste finir les fessiers avec des élévations sur les côtés, comme ça on renforce bien les petits et moyens abducteurs, ok? Donc petits et moyens fessiers plutôt, donc les abducteurs. On va se mettre en position de quadrupédie, hop, les genoux en dessous de la hanche, et l'exercice ça va être de faire une abduction, donc une rotation externe du genou vers l'extérieur. En single, on alterne. Allez, allez, point. Droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Le but, c'est pas de monter trop haut. Parce que si on monte trop haut, on va avoir une rotation de la hanche. C'est pas le but. On essaie de garder la hanche parallèle au sol. 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3. Et on bloque à droite. Bloque. Et on peut venir jambes tendues pour ceux qui peuvent. Ok? Attention, cet exercice, si vous avez trop mal au dos, vous pouvez vous placer sur les coudes. Ok? Et des petits en haut. Des petits, des petits. On essaie de garder la hanche au maximum parallèle au sol, les épaules parallèles au sol. Les abdominaux sont contractés. Et 4, 3, 2, on alterne gauche-droite avec les genoux. Rotation externe. Pam, 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 pam. Toujours en single. On y va, on lâche pas, on est motivé. Vous devez sentir les fessiers chauffer. On bloque à gauche. Bloc, jambe tendue. Et on y va. Et attention, quand on a la jambe tendue, mettez bien la pointe de pied vers le bas pour recruter encore un peu plus les fessiers. Attention, des petits en haut. 1, 2, 3, 4. Allez, là, vous devez sentir que ça chauffe. Faites attention que le bassin est bien parallèle au sol et que les épaules soient parallèles au sol. 4, 3, 2, et on alterne. Dernière fois. 2, 3, 4, on y va. 5, 6, 7, 8, 3 petits. Monte, 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 et hey, 1, 2, 3, ça doit chauffer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, juste des petits à droite. Des petits à droite, des petits à droite. 4, 3, 2, des petits à gauche. 1, 2, 3, des petits à droite. 1, 2, 3, des petits à gauche. 1, 2, 3, et on reprend 2-2. Monte, souffle, descend, et on tend la jambe sur le second temps. Super. Monte, tend, descend, inspire. Monte, tend, descend, et on relâche. Super. Ça va tout le monde? Ok.
fini pour les fessiers. On attaque un dernier exercice pour les abdos. Et ensuite, on fera du gainage. Et là, on aura fait une bonne séance. Exercice pour les abdos. Donc, on a en même temps un renforcement des lombaires parce qu'on a toute la chaîne abdominale. Ok ? Donc, on place les talons au sol. Vous prenez le poids. Donc, si jamais avec le poids c'est trop dur, bien sûr, faites sans. Et on va venir faire des rotations sur les côtés pour le travail des obliques. Ok ? Droite, gauche. 1, 2, 3, 4. On y va. 5, 6, 7, 8. 3 petits. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. On monte en souffle. 1, 2, 3. Et on bloque ici. Et on peut venir relever un petit peu les jambes si possible. Et on change, on bloque de l'autre côté. Et encore, pour que ce soit encore plus dur, pour étendre un peu plus les jambes et basculer un peu plus le dos. On bloque ici. Allez, on bloque. On est uniquement posé sur les fessiers. Le ventre est rentré. On contracte les abdos, les épaules vers l'arrière. Toujours dans cette position, on alterne. Droite et gauche, single. Droite. Gauche. On y va. Droite. Gauche. Encore. Droite. Gauche. Gauche, 3 petits, 1, 2, 3, on y va, 1, 2, 3, on y va, 1, 2, 3, encore, et 1, 2, 3, on bloque, et on repose le poids, on allonge le dos, et on alterne en croisé, 2, c'est la dernière, 3, hein. 8, encore 8, 8, 7, 6, 5, allez, 4, 4, 3, 2, 1, et on relâche, dernière, on va venir se placer sur les coudes, et on aura du gainage, 8, 7, allez, là on renforce au maximum, 6, 5. Allez, 4 dernières. 4. 3. C'est bientôt fini. Hein. 2 dernières. Attention. 4. 3. 2. Et c'est fini. Bravo à vous. Ah, ça fait du bien que ça se termine. Hein. Ok, les amis. Donc, c'était la partie renforcement musculaire, la partie cuisse abdos fessiers. Je vous laisse ranger votre petit poids ou alors vos bouteilles d'eau et prendre une petite gorgée. On va attaquer le stretching avec une musique un peu plus tranquille et on va venir se détendre un peu plus. Ok ? C'est parti les amis. Parfait ! On va terminer cette séance tout en détente. Donc on va commencer le stretching debout et après on va venir s'allonger. Comme ça, vous pourrez rester un petit peu tranquille, profiter un petit peu du moment, ok ? Et profiter de la matinée, ok ? Allez, je me mets avec vous. On vient se mettre derrière le tapis. Et on va commencer à bien s'ancrer dans le sol. Donc on va venir planter ses pieds profondément dans le sol. Là, on est bien ancré, les jambes détendues. Et avec une grande inspiration par le nez, on gonfle le ventre et on va venir relever les bras, on monte. Et sur une expire, on va venir descendre les mains et les bras sur le côté. Même direction que pour la montée. Okay. Sur l'expiration, on expire avec la bouche. On prend son temps. Inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et on expire par la bouche, on se laisse aller, on se détend. Dernière fois, on prend une grande inspiration par le nez, on gonfle le ventre, sentez que le ventre grossit un petit peu.
Et expire. Donc quand le ventre grossit, c'est de l'air, ne vous inquiétez pas. Super. Et on va venir rouler tout doucement les épaules vers l'arrière. Et maintenant vers l'avant. Voilà. Comme ça on détend un petit peu les articulations des épaules, des bras. On les a pas forcément utilisés aujourd'hui, mais c'est quand même important parce que là on va faire une détente du corps complet pour avoir une bonne journée juste après, ok? Donc maintenant on va venir s'attaquer un peu plus haut avec la nuque, on va venir faire des cercles tout doucement de droite vers l'arrière, gauche vers l'avant. On prend une grande inspiration quand le menton est en haut et on prend une grande expiration quand le menton s'abaisse. Et on change de côté. Allez, on se relâche, on se détend. Inspire profondément. Et expire. Super. Et on vient recentrer la tête. Et on va venir relever le bras droit. Et on va venir chercher l'oreille gauche. Et on va venir tirer le coude sur le côté vers le bas. Et on peut même mettre une petite orientation de la tête un petit peu vers l'avant. Et très important, on met une position de l'épaule vers le bas. Et on pousse avec la main. Et vous devez sentir le cou qui s'étire. Bien sûr, on ne force pas trop non plus. Sentez l'étirement. Pensez à bien respirer. Et on remonte sur une expiration. Et on change de côté. Allez, on se détend. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et on expire par la bouche, on se relâche. Et on détend les bras. Et à nouveau, on prend une grande inspiration. Et on expire, cette fois-ci on plonge vers l'avant, le bassin bien vers l'arrière, le dos bien droit. Et ensuite, les épaules suivent, les mains en direction du sol. Et on vient bien connecter les omoplates. Toujours les jambes tendues si possible. Si vous avez du mal à garder le dos droit, vous pouvez fléchir un petit peu les jambes. Ça vous aidera à avoir le dos bien droit, la colonne droite, ok? Et sur une expiration, cette fois-ci, on détend les vertèbres, on se relâche. Vous devez sentir un petit étirement au niveau des ischios. Bien sûr, si ça fait trop mal, fléchissez un petit peu les genoux, mais poussez toujours bien le bassin en haut. Et on expire, on remonte doucement. Super. Tirer les ischios aux jambiers. Maintenant, on va venir étirer les quadriceps et faire travailler en même temps l'équilibre. Donc, on pense à bien rentrer le ventre. On fixe un point pour garder l'équilibre. On peut venir fléchir un petit peu la jambe d'appui. Et on va venir attraper la cheville et la tirer en direction des fessiers. Ok ? Vous pouvez même tirer le coude vers l'arrière pour sentir que ça tire un peu plus au niveau des quadriceps, donc à l'avant de la cuisse. Ok ? Et on pose la jambe. On change de jambe. Si vous vous sentez en équilibre et vous voulez encore améliorer votre équilibre, en plus d'améliorer l'étirement, enfin la souplesse du coup, vous pouvez fermer les yeux. Vous allez voir que l'équilibre, ça va être un peu plus difficile. Ok ? Si vraiment vous cherchez à améliorer un petit peu ça, faites attention qu'il n'y ait pas d'objets qui peuvent vous blesser si vous tombez. Et on expire, on descend, on pose la jambe.
Maintenant, on va venir étirer un peu plus les adducteurs. Donc, on écarte les jambes. Donc, un peu plus large que pour le squat sumo. On va mettre avec la jambe gauche la pointe de pied en direction du côté de la gauche finalement. Et on va venir fléchir la jambe. Voilà, super. Et les bras tendus. Et on tient ici. Là, vous devez sentir l'étirement. Et on va venir chercher. Donc, avec une petite rotation du talon, on va venir poser les mains à côté du pied gauche. Et là, vous devez sentir le psoas qui s'étire juste ici. Et on revient en position initiale, on remonte et on change de côté. Pied gauche face à moi, pied droit en direction de la droite. On fléchit le genou droit, pied, jambe gauche tendue et les bras tendus. Voilà. Position du guerrier 2. Et on expire, rotation de la cheville. On va venir chercher le sol avec les mains. Hop. Voilà, tendez bien l'autre jambe, le talon vers l'arrière. Et on remonte en position initiale. Les deux jambes face à moi. Et on plonge vers l'avant, les mains au sol. Et on remonte doucement, vertèbre par vertèbre. On resserre les pieds. Et on vient se mettre au bout du tapis. J'enlève mes chaussures. Parce que le sol est un petit peu sale. Hop. On se met au bout du tapis. Et on prend une grande inspiration, on lève les bras. Et on expire, on plonge vers l'avant. Et on va venir marcher avec les mains en direction du bout du tapis. Et là, on va venir faire position du chien tête en bas. On vient se mettre en position de planche. On prend une grande inspiration. On descend en pompe et on expire, chien tête en haut. Allez, profite, on pense à bien respirer. Et on va venir fléchir le bassin vers l'arrière. On détend posture de l'enfant. Et on va venir se placer sur le dos. Donc on a les jambes tendues, la colonne bien plaquée au sol, les épaules au sol, les mains au sol, donc les paumes de main en direction du ciel. Les mains sont à côté de la hanche et elles sont séparées de la hanche d'environ 30 cm pour être le plus à l'aise possible. Pareil, les jambes sont écartées d'entre elles de 30 cm. Et on va venir rouler la chair des cuisses et la pointe des pieds sur l'extérieur pour détendre au maximum chaque muscle qui constitue la jambe, les jambes et la hanche. Allez, on pense à bien respirer ici. Donc, elle est nommée posture du cadavre. Le but, ça va être vraiment de se détendre, de se relâcher au maximum. Donc, on inspire profondément par le nez. On gonfle le ventre. Et on expire profondément par la bouche. On se laisse aller, on se relâche. On s'enfonce de plus en plus dans le sol. Inspire profondément par le nez, sentez le ventre qui se remplit d'air,
Retenez un petit peu la respiration au-dessus. Expirez profondément par la bouche. Sentez comment le corps se détend au maximum. Comment il se relâche de plus en plus. Et on recommence ainsi de suite. Inspire profondément. On se laisse abandonner. On se laisse partir dans le sol. On est relâché. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration et le son de ma voix. Inspire profondément. Gonfle le ventre, on se relâche. On retient la respiration. Attention, pas jusqu'à l'étouffement. Et on prend une grande expiration. On se relâche, on se détend. Inspire, retiens et expire. Super les amis. Moi je vous laisse ici. Vous bien entendu, comme d'habitude, vous pourrez rester dans cette position le temps que vous voulez pour vous aider à vous détendre, pour vous relâcher au maximum, pour rester le temps que vous voulez. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup, c'était Loïc, c'était Étage pour Club, et à bientôt j'espère. Ciao ciao!